Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un porte-carte en forme de hérisson. C'est parti! Pour réaliser un porte-carte en forme de hérisson, il vous faudra un livre, du papier mousse, une paire de ciseaux, un pompon rouge, des yeux mobiles, un élastique, du tissu et de la glu. Pour commencer, il va falloir plier toutes les feuilles du livre de manière à former les épines du hérisson. Pour ce faire, il suffit de plier un côté du livre jusqu'au bord, puis de prendre ce côté et de le plier également jusqu'au bord. N'hésitez pas à bien appuyer avec vos doigts pour former les plis. Je répète le même procédé pour toutes les pages du livre. Comme vous pouvez le constater, le corps du hérisson vient d'être formé. Nous allons maintenant lui créer un visage. Je vais commencer par lui faire des oreilles. Je coupe deux demi-cercles sur le papier mousse pour former les oreilles du hérisson. Puis je place les oreilles. À présent, je colle les yeux. Il ne reste plus qu'à coller le nez. Et si vous voulez faire une Madame Hérisson, il suffit de lui faire une barrette. Je prends le tissu, je le plie en deux, je fais un petit frou-frou comme ceci, que j'attache avec un élastique. Il ne reste plus qu'à le coller. Et voilà, notre porte-carte en forme de hérisson est enfin prêt, il ne vous reste plus qu'à y déposer quelques cartes. Ce porte-carte est très rigolo et mignon, vous pouvez le déposer où vous le souhaitez, sur votre bureau ou sur votre commode. Vous pouvez même l'offrir à quelqu'un pour les fêtes de fin d'année. Ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne.